Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour, les frérots. Aujourd'hui, on est avec la Dream Team. On est avec le frérot Timout. Ça bouge pas, toujours là. Ça va bien. Et on est avec le frérot Piware. Bah, le frérot, c'est qu'à le dire. Les chaînes YouTube des deux Loustics sont dans la description. Si jamais vous connaissez pas, ils font aussi des vidéos YouTube. C'est la mif. J'ai un truc de ouf. Tu fais quoi? Il vient de se chier dessus, les gars. C'est bon. Juste ton PQ, il est pas très agréable. Mais il est bien, mec, c'est du double épaisseur. Ah, il y a triple épaisseur maintenant. Je sais pas, mais ça transperce, c'est mes dos qui passent, ça va pas, du coup, triple épaisseur. Non, je rigole. Ça m'est déjà arrivé, mais. Ça t'est déjà arrivé. Oh, non, jamais. Ça t'est jamais arrivé. Jamais. Mais si, je te jure, si tu prends qu'une feuille et que tu le replies pas, c'est sûr que ça passe à travers. Mais pourquoi prendre une feuille, prends-en 4-5? Ah, mais c'est pour ça que j'ai déjà plus de PQ là. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un concept. Préciser, débranchez votre cerveau dès maintenant parce que on va juste faire des conneries. Le but du concept est très simple, c'est un concept qu'on avait déjà fait il y a un peu plus d'un an maintenant sur ta chaîne YouTube, frérot. Antoine. Ouais. Du lycée. Bah ouais. On a flirté ensemble et tout. On va appeler des gens au hasard sur notre téléphone. On va faire genre 06 53 machin. On va mettre un numéro au pif. On a des phrases dans un bol qu'on va devoir placer. Il y a une phrase, ça peut être: est-ce que vous aussi vos doigts transpercent votre PQ? Et tu vas devoir placer la phrase dans la conversation. C'est un peu chiant, c'est un peu compliqué. Et je tiens à dire que moi, pour moi les gars, je vous jure que c'est une vidéo qui me stresse à faire. C'est dur. On va appeler des gens, on va leur dire de la merde. C'est stressant d'appeler quelqu'un et dire des dingueries, tu vois. Moi j'en ai tant. Faire ça, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Genre là, il y a pas longtemps, tu t'es dit: ah, tiens, je vais faire chier les gens. Oui, j'étais avec ma meuf et on avait vu, je sais plus trop quoi, mec, ils faisaient des dingueries. Et on a fait ça. On a appelé pendant une demi-heure des gens, on leur racontait que de la merde. Et gros, c'était là. Les gars, petite précision, Timout est un très mauvais exemple. Nous on le fait en mode condition vidéo, on fait chier des gens, etc. C'est drôle. Mais en vrai, venez, on essaye de pas faire trop chier les gens. Venez, on parle français à partir de maintenant. Il y a des papiers dans ce bol, qui pioche. T'es volontaire? Mais attends, mais lui c'est en bleu. Quelle phrase vas-tu devoir placer dans la conversation, mon cher Timout? C'est la meilleure. J'ai mis votre fille enceinte. Arrête. Oh, mes frères, c'est la pire. C'est parti, l'appel est lancé. Let's go. J'espère que tu tombes sur un daron pire et nerf. C'est trop drôle. J'ai mis votre fille enceinte. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Je vous appelle parce que déjà, je suis un peu stressé de vous annoncer ça. Je suis allé dans une fête avec des amis et j'ai rencontré votre fille. Je vais pas vous cacher qu'on a fait... Voilà, on a pas joué aux billes. Elle avait fait un test parce qu'on s'était pas protégé. Et bon... Oui, bien sûr. Oui. D'accord, c'est très intéressant tout ce que vous me racontez. Bah, en vrai, même moi, je kiffe. Hein. Je n'ai pas de fille. Hein. Ah ouais? Ah bah bon. Ouais, c'est dommage hein, pour vous. Vous pouvez appeler quelqu'un d'autre. Putain, vas-y, vas-y, frère. Là juste le premier appel, les gars, il m'a mis. Allô? Allô? Votre fille m'a laissé votre numéro? Oui. Je suis sorti, je sais plus trop où, je vous avoue, avec des potes. Qui êtes-vous? Alors moi, vous me connaissez pas du tout, je suis un peu une aventure de votre fille, en fait. Mais de quelle fille? De la plus grande. Vrai? Oui, c'est ça. Je stressais un peu à l'idée de vous appeler pour pas passer par quatre chemins. J'ai mis votre fille enceinte. Comment? Vous avez raison, allez, au revoir. Bonjour, je me présente, je m'appelle Quentin. Vous devez sûrement pas me connaître parce qu'elle vous a sûrement jamais parlé de moi. Mais en gros, je suis une aventure de votre fille. Il y a pas longtemps, on s'est revus, voilà, on n'a pas joué aux billes, on n'a pas joué au Uno, ça a tapé fort. En fait, on s'était pas protégé. Elle m'a rappelé là, il y a pas si longtemps que ça, pour me dire qu'au final, bah, elle était enceinte, quoi. Elle s'appelle comment? Vous pouvez me dire son prénom? Bah, en fait, j'ai son, son prénom, s'il vous plaît. Ouais, j'ai... Si vous prenez une question. Ça s'appelle Clara. Voilà, donc non, au revoir, vous avez trompé le numéro. Ok. Il m'a baisé. Il dit, elle s'appelle comment? Ça rappelle. Oh, ça rappelle quoi? Oui, allô? Oui, espèce d'idiot, c'est moi, Audrey. Eh, hey, écoute-moi bien, j'ai une balle avec ton nom, t'as compris? C'est vrai, incroyable. On verra si tu vas rigoler. On verra, d'accord? Souviens-toi de moi. Et tu t'appelles comment? M'appelle Quentin. Ouais, bien sûr, mais c'est bizarre, hein? Pourquoi? Bah, elle est débile. Je m'appelle Quentin, bah, c'est bizarre. C'est des malades. Bah, attends, le mec, j'ai une balle avec ton nom dessus. Mais c'est un malade. Ça commence à partir loin, ouais. Et il faut calmer la situation. Parce faut tempérer. Ouais, parce que là, mec, il y a une menace vénère qui vient de mort.
C'est quoi, j'ai envie de tenter, gros. Allô. Allô. Allô, je vous appelle parce que votre fille vient de me donner votre numéro, pardon. On a fait une soirée il y a quelques temps maintenant. Il s'est passé ce qui s'est passé pendant la soirée. Elle vient de m'annoncer, elle savait pas trop comment le dire, etc. Donc elle m'a donné votre numéro pour que je le fasse. Elle attend un enfant. Et du coup, je voulais vous appeler pour. Mais comment ça s'appelle ma fille? Putain, attendez, elle me rappelle là. Attendez, je voulais vous appeler du coup pour vous donner la nouvelle parce que voilà, je suis assez stressé et voilà. Pourquoi vous êtes stressé, vous? Je m'attendais pas à avoir un enfant là. Vient de m'annoncer ça il y a une heure même pas. Mais attendez, qui êtes-vous et quel est le nom de ma fille? On s'est vu pendant une soirée, donc ça veut dire que moi, non, je pense que. Je pense, vous... madame, qu'il y a une erreur. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, le nom de ma fille, comme ça au moins on saura. Mais moi, je suis un mec. Ah, vous êtes un mec? Mais oui. Ah, c'est vous le papa? Mais oui. C'est pour ça que je suis stressée, madame. Mais quel est le nom de la fille, de ma fille, de la maman? On sait pas encore comment on va l'appeler. Mais non, mais... Mais en plus, on sait même pas si ça va être une fille ou un garçon. Je panique. Attendez, je vous passe mon ami, là. Allô? Allô, madame? Oui. Non, je sais pas comment on va l'appeler. En gros, il est extrêmement stressé, il a peur, là, un peu. Juste, il a mis votre fille enceinte. Mais écoutez, je voudrais avoir le nom de celle que vous appelez ma fille. Bah, en fait, on s'était pas trop échangé nos prénoms et tout. Vous avez dû faire une erreur en faisant le numéro, ou alors votre numéro est erroné. C'est pas vous la maman de Anne? Non, absolument pas. Oh non, mais il va falloir que je redise la nouvelle. Bonjour, monsieur. Oh là là là, je suis désolé, hein. De rien. Mais je sais pas quoi. Oh là 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 là, bah, au revoir. La paix, il avait aucun sens. Mais j'ai trop fort. Je pense qu'on va passer au prochain défi. Beware, le prochain c'est toi ou moi? En vrai, moi j'ai fait un appel. Donc logiquement, allez, le prochain c'est toi. Allez, le prochain c'est les gars, toi. C'est bon. Oula, les 6000 euros de débité sur votre compte courant, c'est inhabituel. Oh, c'est trop bien. En gros, les gars, faut que tu lui fasses comprendre, il y a 6000 euros qui ont été débités de son compte et qui panique. Tête sérieuse pour voix sérieuse. Vodafone, message gratuit. Il téléphone de la personne chiamata. Ok, un espagnol. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir votre papa, s'il vous plaît? C'est la banque? Bah, je peux pas trop, il est pas là. Et votre maman? Bah, elle est pas là non plus. Et votre tante? Non, du tout. Et le copain de votre tante? Non. Il y a personne, vous êtes toute seule? Oui. C'est vous qui vous occupiez des comptes? Non. Ça serait pas vous qui avez acheté pour 6000 euros de V-Bucks? Ouais, bah non. Il y a un gros problème sur le niveau du compte bancaire et je veux comprendre parce que là, les V-Bucks, c'est bien, la nouvelle saison. Pas Fortnite, en fait. Ouais, non. J'ai une question. Est-ce que c'est vous qui avez utilisé la carte? Mais encore plus. Bon, au revoir. Mais non. Est-ce que vous pensez que j'ai une boîte banquier? En vrai, ça peut, hein. Si tu fais... Ouais. Non, je garde ma voix naturelle. Oh, c'est Michaud. Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à la somme de 6000 euros qui vient d'être débitée de votre compte bancaire. Attendez, mais vous êtes qui? La banque. Mais quelle banque? Mais comment ça, quelle banque, monsieur? C'est pas le sujet. Vous avez eu 6000 euros. C'est le sujet, moi j'ai plusieurs banques, madame. C'est monsieur, bref, c'est pas le sujet non plus, mais bon. De quelle banque vous téléphonez? Le Crédit Agricole, mais monsieur, les 6000 euros, on s'en fiche de savoir si c'est le Crédit Agricole ou je ne sais pas quelle banque. Mais moi j'ai rien à voir avec ça, madame, bonsoir. C'est monsieur, la vie de ma mère, c'est monsieur. Par contre, les gars, ce défi est donc trop dur. C'est à moi de piocher. Roulement de tambour. La vie de moi, mais qui a écrit ça? J'ai bien aimé avec ta mère hier. Faut que tu fasses une voix virile du coup. Allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle parce que, en fait, hier, j'étais. Allô? Oui, c'est la banque. Vous. Non, sans que la bêtise. Je panique, les gars. T'as fait une bonne affaire. Allô, c'est la banque. Tu veux essayer? Ouais. Allô? Oh là, je te raconte même pas le boulot qu'on a fait hier. C'était une dinguerie. J'ai trop kiffé. Mais c'est qui? Bah, c'est moi, avec ta mère hier. Et qui vous êtes? Je suis son plan cul. Tu m'appelles là? C'est Mathieu. Mathieu qui? Mathieu le plan cul. Mathieu le plan cul, qu'est-ce que c'est cette connerie? Le boulot qu'on lui a fait quand même. Oh, le boulot. En vrai, on était trois dedans. Putain. C'est toi? Tu pioches?
Oui, c'est moi qui ai le champ premier. On a tous fait un tour. C'est à moi de faire un tour. Et pour vous prévenir d'une coupure électrique d'une semaine. Là, il n'y a pas 50 000 compagnies d'électricité. Hein. C'est EDF, c'est fini. Allô ? J'ai dû vous appeler, vous n'avez pas répondu. Et d'ailleurs, merci de m'avoir rappelé. C'était juste pour vous prévenir en toute urgence qu'il y aurait une coupure d'électricité pendant une semaine. Vous avez de quoi vous équiper ou vous voulez qu'on vous envoie Non, j'ai votre numéro de téléphone, donc je vais appeler tout de suite la gendarmerie. Je ne vais pas m'emmerder. Non, mais monsieur, là, non, mais il va y avoir une coupure électrique pendant une semaine. Ouais, c'est génial, on est ravis. Bah non. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut faire des plans de cul. Des plans de quoi? Ah ouais, pendant une semaine, ça sera bien. Ah oh, merde. Mais t'es con, pourquoi t'as dit ah merde? T'as raccroché. Mais oui, c'est le mec du plan cul. En fait, c'est un mec qu'on a dû appeler. Mais c'est le mec juste avant. T'as dit qu'il avait fait un plan cul avec eux. Mais oui. Oh merde, si ça se trouve, c'est le mec, c'est l'amoureux de la meuf. Tu sais, t'as dit j'étais le plan cul de ta daronne. Mais oui. Ça doit être le daron. Les gars, encore une fois, on va essayer de rattraper tout ça par un message, etc. Faire comprendre c'est une blague et tout. Allô. Oui, allô, bonjour, je suis le technicien de EDF. On a une grosse panne d'électricité. Vous n'allez sûrement plus avoir d'électricité. Ça serait pas plutôt un canular. Non, pas du tout. Non, mais ça va. J'irai voir chez moi et ça ira. C'est qui? Une coupure d'électricité d'ici 2-3 jours. Arrêtez, vous êtes trop lourd. Bon, écoute, je ne sais pas qui c'est. Bon, et ben, ça fait un très peu bon moment avec vous. Genre, jeune personne que je ne connais absolument pas. Et ben, c'est génial. On te dérange pas plus. Gros bisous parce que t'as eu un appel. Allez, ciao. Et ouais, attention à l'électricité, hein. Pour une fois, c'était gaulerie, c'était bonne ambiance. On a bien rigolé. T'as vu, c'est la première qui réagit bien. Ouais. D'habitude, c'est qui là? Oh. Oui. Oui, allô, bonjour madame, technicien de chez EDF. Je vous appelle suite à une annonce qu'on vient d'avoir il y a quelques dizaines de minutes. Il va y avoir une coupure d'électricité pendant... Ah, je suis pas chez moi. Ah, vous êtes pas chez vous? Bah, c'est pas grave, de toute façon... Alors, je suis pas chez moi, je suis en vacances. Ce sera dans pas mal de secteurs dans la France, donc je sais pas où est-ce que vous vous situez actuellement, où est-ce que vous comptez vous rendre. Je suis à Bayonne, c'est bon. Bayonne, attendez, je vérifie dans le document qu'on a eu. Ok, alors Bayonne fait partie de la principale zone touchée. Et sur l'île? C'est sur quelle île précisément? De l'île. Dans 59 000. Elle a dit à l'île. Ta gueule, chute. Ok, donc l'île ne serait pas totalement touchée. C'est à partir de quand? Je suis désolée, hein, vous interrompez. Ah non, pas du tout. Vous inquiétez pas, y a pas de souci. Environ 3 à 4 jours. Non mais c'est pour anticiper en fait. Bon, bah bonne fin de journée à vous. Prenez soin de vous, faites attention pendant la coupure d'électricité et je vous souhaite une bonne soirée. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. C'était tout simplement une petite blague, un petit canular. Et... J'avais compris, merci. Et pas bonne continuation. Et surtout, quelle est votre radio préférée? Aucune, je n'écoute aucune radio. Ah bon, bah... Énergie mobile. Oui. Eh, les gars, est-ce que ce serait pas la première fois que le prank fonctionne? Si. C'est vrai qu'il a bien fonctionné. Les gars! Ok, à qui d'appeler là? Facile, easy, je suis trop bien. Pourquoi tu m'appelles? Oh, c'est drôle, c'est drôle. Allô? Allô? Oui, vous... Vous m'appelez? Non. Ah, vous venez de m'appeler là. Et c'est pas la première fois, j'ai plusieurs appels manqués de vous. Moi j'ai pas que ça à faire, je suis en train de travailler. C'est pas moi qui vous appelle en fait, donc bloquez le numéro, faites ce que vous voulez, mais c'est pas moi qui vous appelle. Bah si, c'est vous qui arrêtez pas d'appeler, donc Pas du tout. Bah si, ça m'énerve, ça me saoule. Moi j'ai fait. Le numéro là? Ouais, non mais soi-disant. Oh merde! Allô, ouais, ça commence vraiment à me saouler que tu m'appelles comme ça, n'importe quand, tout le temps, ça commence vraiment à me saouler. Ça va être très simple, je vais donner ton numéro au flic et ça va être facile, plié. Je pense que tu t'es trompé là. Je vais voir la gendarmerie et je balance votre numéro et je vous balance pour harcèlement. Vous arrêtez de m'appeler et voilà, on n'en parle plus. On en parle plus. Donc vous nous promettez qu'il n'y a plus d'appel là? Bah oui. Bon, bah, au revoir. Ouais, pas de revoir, c'est tchousse. Ah, on bat les couilles. Mec, il s'est chié dessus. Il était comme ça, il était là. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais t'es un enfoiré. Okay. Je pioche un papier, maintenant c'est à moi. Les frérots, prochain défi. C'est toi qui as dragué ma meuf. Ça peut partir en embrouille. Allô? Oui. Ouais, ça te dérange pas de draguer ma meuf comme ça? Ouais, parce que là, je commence vraiment à avoir ras le cul. Bah écoutez, je pense que vous vous trompez de numéro. Non, je me trompe pas. Mais non, mais attends, c'est bien lui? Les messages comme ça envers ma meuf, il y en a marre. Mais quel message? Tous les messages que t'as envoyés là où t'insistes. Bah, vous avez un problème de numéro de téléphone. Je sais pas quoi faire. Je vous passe ma copine. Envoyez-moi des choses. Allô, allô. Oui, oui.
Oui, je vous entends. Oui, oui, oui. Bah, tout simplement pour vous dire que j'en ai marre de vos messages insistants et déplacés envers moi. Vas-y, pars. Je reviens après. Je te laisse avec lui, là. Oui, oui, oui. Ok. En vrai de vrai, ça dit qu'on se voit tous les deux. Mais je suis Andrea. On se parle par message. Mais arrête de me mentir. Ça sert à rien de se cacher parce qu'il y a ta femme à côté. Ça sert à rien. Moi, je suis chaud qu'on se voit. Tu vois, on fasse des trucs. On s'amuse tous les deux, genre comme des jeunes. Il est plus là. Ça y est, on peut arrêter de se cacher. Putain, non! Au début, de loin, ça va, il faisait « Non, mais il arrête pas et tout, machin. » Après, il est venu, il avait « Ouais, moi, j'aimerais bien qu'on se voit. » Mais non, mais j'essayais de prendre une voix un peu, mais j'arrive plus à prendre des voix aiguës, moi. Oh, Kimout. Oh, putain, c'est moi qui me tape ça. C'est quoi? C'est une disquette. Oh! Kimout va devoir appeler une meuf ou un mec. N'importe. En mode, tu la dragues et t'essayes d'avoir... tu dis en mode « Ouais, j'aimerais bien voir ton Insta, machin. » Mec, je rigole, tu tombes sur une mamie. Allô ? Qui êtes-vous ? Bonjour, je me présente. Je m'appelle Clément. Mais je m'appelle Clément ! Mais hé, les Quentin, les Clément, mais c'est quoi ça ? Je m'appelle Clément, raccroché. Allez, c'est quoi ça ? Comme par hasard, il est tombé sur une mamie. Mais c'est hilarant. Tu fais que des mamies. Elle a pas aimé ton prénom. C'est pas un peu mammifère. Allez hop, donne-moi ça. Va là-bas, et nous on appelle. Là. C'est ça ? Un mammifère? Attends, c'est quoi un mammifère? Un singe. Oh putain! Tu sais pas c'est quoi un mammifère? C'est nos ancêtres. Les mammifères, c'est toutes les espèces qui font pas d'œufs. Voilà, en gros. Attends, je dois faire quoi déjà? À la disquette. Ah ouais, j'ai... Moi, j'ai... Allô? Oui. Oui, ça va? Oui. Sérieusement? Oui, je te reconnais pas. Mais on s'est croisés tout à l'heure en ville. On a parlé et tout. Tu laisses trop de blanc, De un, tu laisses trop de blanc. Et elle m'a perturbé. Et de deux, je me suis senti perturbé. Si ça répond pas, je suis... Bonjour. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Allô? Ouais, allô beauté. Allô? Ouais. Ouais, dis-moi, je suis nouveau dans la ville. Tu pourrais pas me donner le chemin de ton cœur? Bien sûr. T'as un gamin? Oh, mais c'est marrant. J'ai son numéro. On va pouvoir le retrouver. On a ses coordonnées. Oh, c'est trop bien, ça. On pourra appeler les parents. On a fait pareil. On appelle les flics, tu te rappelles? On appelle la gendarmerie. Ah, vous allez appeler la gendarmerie, là? Ah non. Moi, je voulais juste faire une blague. En fait, je fais des vidéos sur YouTube et je voulais juste faire une blague. Non, s'il vous plaît, appelez pas la police. Si vous voulez, je peux peut-être vous donner mon grand frère. Je m'excuse. Hey, Titouan, t'es avec qui au téléphone? Arrête! Titouan, donne ce jeu, décroché! Qui a pété comme ça? T'es dégueulasse! Attends, c'est toi lui? C'est qui? C'est lequel qui fait? T'es dégueulasse! C'est lequel de vous deux qui a pété? Qui a pété, il a fait un pété. Allô? C'est lui! C'est bizarre parce que. Non, c'est bizarre parce que toi, t'as quand même fait. Pile au moment où. Voilà, t'es cramé! C'est le dernier papier. Ouais. Oh. Passez une bonne journée, j'envoie de la positivité. Oh, c'est une dinguerie, ouais. C'est incroyable de tomber sur ça à la fin. Ouais. Les gars, je vous jure que c'est vraiment le dernier papier qu'on tire. C'est très simple ce papier. T'appelles et tu envoies de l'amour. Allô ? Et bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai juste un truc à vous demander. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Parce que c'est important de passer une bonne journée, d'avoir au moins ri une fois. Allô ? Vous êtes qui exactement et... Bah moi en fait, j'appelle les gens pour essayer d'envoyer de la positivité dans ce monde de brut. Et ouais. Puis voilà, tout enfin, moi, je suis à l'hôpital, j'ai quand même du travail, là. Je suis encore en entretien. Mais madame, on voit la positivité. On vous dérange pas plus, des gros bisous. Merci pour tout ce que vous faites, bon courage. Mais pour le coup, désolé, parce que pour de vrai, si là, c'est une meuf qui est en train de travailler, elle est à l'hôpital et tout machin, j'avoue que c'est compliqué. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai vite écourté l'appel, tu vois, c'est pas le but de déranger les gens. Allô, je vous appelle juste très rapidement, tout simplement pour savoir si vous avez passé une bonne journée et j'ai envie de vous envoyer que de la positivité et plein de bonheur, voilà, tout simplement. Vous avez mis le mode silence, je crois, là. J'appelle quelqu'un d'autre. Allô ? Oui, comment ça va ? Je vous appelle tout simplement pour envoyer du bonheur aux gens. Voilà, j'ai décidé d'appeler des gens au hasard et de savoir si tout se passe bien pour vous, si vous avez besoin de quelque chose, de parler ou quoi. Merci, ça va très bien. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah bah c'est super. Bon bah génial, alors vous avez passé une bonne journée ? Très bien, merci, c'est très beau. Trop cool, vous avez fait quoi ? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Cet après-midi, j'ai eu... Ce matin j'étais chez Kiné, cet après-midi j'ai joué aux cartes et puis voilà. Eh bah super, je vous dérange pas plus. Merci d'être vous-même, vous êtes la meilleure.
Alors, c'est mini recal, mais ça va. C'était l'appel que je voulais. Voilà. Vous avez dit ou pas, les gars? Je dégage un truc. Ça a marché au bout de 3 fois. Vous avez mis le mode silence, je crois, là. J'appelle quelqu'un d'autre. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle touche à sa fin. Ça fait 3 heures. Vraiment, je vous mens pas. Ça fait 3 heures qu'on appelle des gens. Mais parce qu'en vrai, la plupart des gens, soit ils raccrochent direct, soit ils répondent pas, soit machin. Enfin, j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. Que vous avez passé un bon moment avec nous. Évidemment, encore une fois, le but, c'est pas de faire chier les gens ou quoi que ce soit. Dès qu'on s'est un peu embrouillé avec des gens, on a envoyé des messages pour essayer de régler la situation, faire comprendre, etc. Du coup, je trouvais ça trop bien de finir sur une petite note positive quand même. C'est vrai. Si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà. C'est bientôt les 8 millions, les gars. Bientôt les 8 millions. On se dit à demain. On arrive bientôt à la fin du mois de septembre. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Ciao, l'équipe. Tchou tchou, bisous. Bisous.